me demande où il conduit. Vous avez atteint l'autel de la connaissance, initié. Êtes-vous prêt à honorer les mantras d'Auriel et à remplir votre coupe de sa sagesse? Vous avez atteint l'autel de la connaissance, initié. Êtes-vous prêt à honorer les mantras d'Auriel et à remplir votre coupe de sa sagesse? Auriel vous bénit, mon enfant, car vous avez fait un pas de plus vers le sanctuaire intérieur et la sagesse éternelle. Puisse la chaleur d'Auriel imprégner votre corps de toute sa force. Cette glace ne vous paraît-elle pas un peu fine ? Croyez-le ou non, je préférerais encore qu'il y ait du soleil. Je sais bien qu'il aurait essayé de nous tuer, mais quand même.
Valla. Travail d'équipe. Un vrai travail d'équipe. J'avais bien entendu quelque chose.
Falmers. Ils sont pris dans les glaces. Je me demande depuis combien de temps ils sont comme ça. Et moi qui trouvais le cairn de l'âme lugubre. Voilà, c'est fait. Voilà. Voilà. Ça suffit, Virtur. Donnez-nous l'arc. Comment osez-vous ? J'étais l'archivicaire d'Auriel, jeune fille. Un dieu m'écoutait. Jusqu'à ce que les trahis vous corrompent. Oui, c'est ça. On la connaît déjà, votre histoire. Gélébor et ses semblables sont faciles à manipuler. Regardez-moi dans les yeux, Serana. Dites-moi donc qui je suis. Vous êtes... un vampire ? Mais Auriel aurait dû vous protéger. Dès que l'un de mes propres initiés m'a infecté, Auriel m'a tourné le dos. J'ai juré de me venger, quel qu'en soit le coût. Vous comptez vous venger d'un dieu ? Auriel en personne n'était peut-être pas à ma portée, mais son influence sur notre monde, si. Il ne me fallait que le sang d'un vampire et sa propre arme, l'arc d'Auriel. Le sang d'un vampire ? L'arc d'Auriel ? C'est vous ? C'est vous qui avez créé cette prophétie ? Une prophétie à laquelle manque un ingrédient final. Le sang d'un pur vampire. Le sang d'une fille de Port du Froid. J'avais attendu tout ce temps pour que quelqu'un vienne avec mon sang. Eh bien, c'est dommage. Je compte bien le garder. Voyons plutôt si le vôtre a un quelconque pouvoir. Quelle tromperie est-ce là ? D'où venez-vous ? Touchez le ciel comme un dragon. Touchez le ciel comme un dragon. Touchez le ciel comme un dragon. Le livre m'a tout révélé. Ils disaient tous que c'était impossible. Ils le disaient, mais j'avais raison. Touchez le ciel comme un dragon. Touchez le ciel comme un dragon. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tout va bien se passer. Ça marche.